Voici. Comme vous venez de voir, on vient d'arriver en Slovénie. C'est vrai, on se posait la question, c'est vrai qu'on connaît très peu la Slovénie. Je veux dire, il y a longtemps que c'était un très beau pays, mais je ne sais pas plus que ça, donc on va falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'on va faire là dans le pays, parce qu'à part la capitale, on n'a pas de point de chute pour l'instant. Bah oui, et puis ouais, la nourriture, tout ça, c'est vrai, qu'est-ce qu'on mange ici. Donc bon, écoutez, on va découvrir ça ensemble, c'est l'occasion. Ouais, c'est ça, ça va être la vraie découverte pour le coup. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être à l'étranger, je kiffe. Allez, on découvre ça ensemble, c'est parti. Regardez derrière moi, c'est la plus vieille vigne au monde. Alors je ne sais pas comment on prononce exactement, Stara Treta, quelque chose comme ça, qui veut dire vieille vigne. Elle a près de 400 ans. Le cépage de cette vigne, appelé bleu de Franconie, produit 35 à 55 kg de raisins par an et est conditionné dans une centaine de petites bouteilles. Chaque année à la Saint-Martin, un festival a lieu pour célébrer cet événement et ramène une foule immense ainsi que de nombreux représentants européens. La vigne possède 3 pieds et le vin produit par le pied principal qui est juste derrière moi est réservé seulement aux personnes de la haute société, donc malheureusement ni vous ni moi ne pourrez un jour y goûter dans votre vie. Ta-da-ta-ta-da. On va pouvoir faire la lessive et surtout regardez ce qu'il y a là, la petite prise électrique qui va bien. En plus on lave vraiment pas notre linge n'importe où, s'il vous plaît. Pas beau ce petit spot. Bon, il est 18h30 aujourd'hui, on a fait notre plus grosse journée en kilomètres, 130 km quasiment sur les roues. Donc là pour Mélo c'est un record. Et on est quasiment à Ljubljana, on est à 7 km. Mais là comme il est un peu tard, on veut essayer de passer la nuit juste avant la ville, en bivouac. Et comme ça visiter la ville demain tranquillement. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait 130 km aujourd'hui ? J'ai pas envie de le refaire, j'ai mal au pied. En vrai, elle a kiffé. Donc là, on cherche un spot, mais... Hein ? On cherche un spot, mais on n'est pas sûr de trouver. On est dans une forêt. Ça va pas être facile. Ça a l'air pas mal, ça. Je sais pas ce que c'est. Mais on va se mettre là. Campement installé. À demain.
Nous venons d'arriver à Ljubljana et la particularité de cette ville, et c'est super pour nous, c'est que le cœur de la ville est complètement piéton. Qu'est-ce que tu as pris encore? C'est le petit gâteau traditionnel à 3,30€, cette petite milliardise, ça a l'air d'être bon. Ça a intérêt à être bon. Alors, il y a plein d'intérêt. C'est censé être sucré, je pense. C'est bon, mais bon, pas non plus. C'est bon, ça se voit que c'est fin. Mais... Ah, c'est bon. On a attendu le soleil et la chaleur pendant 4 semaines. Ça y est, là, on l'a bien. Le campement est levé, on a dormi à... quelques centaines de mètres de la frontière avec la Croatie. On a traversé en quelques jours la Slovénie. Malheureusement, on n'a pas fait les coins les plus jolis. En fait, il paraît que c'est vers l'ouest, c'est ça? Comme nous, on traverse du nord au sud, et non de l'ouest à l'est, on n'a pas vu la plus belle partie, mais c'était déjà très joli ce qu'on a vu. Déjà, ce qu'on a vu, c'est vrai que c'est... je sais pas, très verdoyant. Voilà, pur, on voit beaucoup d'animaux, on a vu beaucoup d'écureuils quand on était même dans la capitale. Et là, on a dormi, mais dans un, je crois que c'est le coin le plus paisible qu'on ait trouvé jusqu'à présent. La Giroroue, on n'a pas eu de problème pour circuler. Malheureusement, les pistes cyclables, à part dans les villes, même les villages, entre tout ça, il n'y a rien, donc on s'est retrouvé vite sur la route. Après, c'était pas des routes trop empruntées, mais c'est vrai que c'est toujours moins agréable. Et là, la Croatie, je pense que ça va être pareil. Hein, donc nous, on arrive normalement tout de suite là sur la côte, parce que c'est assez proche de la frontière à la côte. Et donc là, on passe la frontière ensemble et on continue le voyage. Donc là, on arrive à la frontière et il y a une grille qui barre le chemin pour la Croatie. Alors, est-ce qu'on peut passer à pied? Ah non, il y a des barbelés et tout. Bon, on va passer là. On va passer en dessous. Ouais, c'est vrai, il y a des vrais barbelés. Oh, si on passe là. Ouais, on rampe. Ah, j'ai l'impression d'être clandestine, quoi. Waouh, quelle souplesse. Bah voilà. Vinaise. Clandestin. Du coup, nous voici en Croatie, pays qu'on va découvrir ensemble parce que pareil, on ne le connaît pas du tout. Apparemment ici, donc on ne paye pas en euros, ce que tu me disais. Et donc là, ça va être un pays avec quand même pas mal de côtes et de plages, donc on va pouvoir en profiter. Il fait super beau, c'est ce qui nous manquait là, c'est de pouvoir se baigner. Donc on a hâte de découvrir ça ensemble. Après 2 heures de ferry, nous voilà arrivés à Rab, une petite île au large de Rijeka,
Et là, bah, c'est magnifique, hein. Donc on sait pas combien de temps on va y rester. On va chercher un logement pour ce soir et ensuite on va partir visiter la ville. C'est surtout, ça va être ambiance vacances pendant quelques jours, ça va nous faire du bien, il y a du soleil, c'est magnifique. Donc on va profiter un petit peu. Waouh! Trop bien! Parfait! D'accord? Ok. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Ça a été une petite galère ce soir, forcément, comme d'habitude quand on voyage, on réserve rien à l'avance, on arrive sur place et puis on se dit on va bien trouver un camping. Sauf que là, forcément, on est sur une petite île paradisiaque, et nous, sur là où on voulait rester, il y avait deux campings, dont un qu'on avait vu qui était pas trop cher, qui était un peu plus loin que le centre-ville, donc on se dit qu'on allait aller là-bas. On arrive sur place et c'était complet, impossible de poser notre tente. Donc finalement on a fait demi-tour sur un gros camping et malheureusement, heureusement il y a eu la place, mais malheureusement le prix pour la tente était de 56 euros. Pour nous c'est un tarif trop élevé, surtout qu'on voulait rester deux nuits minimum. Et finalement une dame de la réception a proposé son hébergement qui je pense le propose en Airbnb. Et donc pour le prix de deux nuits au camping, ici on peut rester trois nuits. Là vous voyez on a nos serviettes, on est à quelques mètres de la plage, donc on va en profiter, on va se baigner toute la journée tranquillement. On va faire du bien. Bon, et bien ça y est, après trois nuits ici, on s'est vraiment relaxé en mode vacancier, ça nous a fait vraiment du bien. En plus, on n'était pas dans notre tente pour une fois. Et là, donc on part en direction du port pour aller prendre un bateau et nous emmener sur l'île de Pagues, qu'on va traverser en gyro-roue, puis ensuite, on arrive à Zadar et on passera la nuit là-bas. Je vais avoir le mal de mer, je pense. Parce que là on est sur un tout petit bateau. Alors on attendait le bateau qui devait faire la liaison entre Rab et Pagues. Donc c'est une petite île qui est à 7 km. Il y a un ferry par jour à midi. Et bon bah il n'est pas venu, il n'est pas là. Donc on se retrouve à partager un taxi boat avec trois autres boîtes. Et voilà, les aléas de la Croatie.
Un crayon. Et regarde. Regarde. Oh, quelle horreur. C'est quoi ce truc? Bah, je pense que c'est un petit grillon, la mue d'un grillon. Ah, t'es capable de le bouffer? Ouais. Oh. Alors? Non, ça, ça a le goût de chips un peu. Bah, c'est rien, hein, c'est que de la peau sèche. Hein. Oh. C'est comme de la peau de... De pied? Non, comme de la peau de poulet grillé. On va t'inscrire à Koh-Lanta. Allez.